On ne sait pas toujours comment expliquer aux gens ce qu'on fout en montagne. On s'est dit que pour une fois, on allait le montrer. Notre truc, c'est le freeski. Ça veut dire liberté. Et ça nous fait faire plein de trucs complètement cons. Il y a une certaine routine. Ça commence toujours pareil. Tu te lèves, tu te prépares tranquille, 10 heures café. Et après, tu cherches un truc à faire. Allez, aujourd'hui, session street. Le street, c'est une voiture remplie de matos. Tu fais des tours, des allers-retours, dans des endroits improbables à la recherche d'un truc inspirant, faisable, skiable. La street, ça fait mal. Tu te jettes à l'aveugle sur un rail et tu t'exploses sur du béton. À ce moment-là, n'importe qui se dirait, ça ira pour aujourd'hui. 16, il y retourne direct. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. You ain't a killing off good young nigga move. When we get hungry, we eat the same fucking food, the ramen noodle. This simple voodoo is so maniacal, reliable to pull a juju. The irony is that this bad bitch in my lap, she don't tell me she make money, she don't study that. She gon' give it to me, ain't gon' tell me nothing back. She gon' take the brain away the plane she spit on that. The doors and signs with it, don't try to rhyme with it. VH1 has a show that you can waste your time with. Guilty pleasure, take the edge off reality. And for a salary, I'll probably do that sporadically. The OG Gucci boots are sitting with iguanas. The IRS piranhas see a nigga getting common. Niggas in the hood living in a fishbowl. Gentrify here, now it's not a shithole. Trendsetter, I know my shit's cold. Hand sanitary because I ain't so bold. But hey, all you black folks, you must go. À ce moment-là, 16, il rêve que d'une chose, une bonne pinte. Mais chez Boubou, tu sais qu'une pinte, ça veut dire deux, et on connaît la suite. Mais quand la neige revient, elle ramène sa magie avec elle et nous rappelle pourquoi on est là. Pour ses jours à se battre chaque virage de fraîche, quitte à bouffer du sapin. Ces journées, on en revient cassé, trempé, glacé, en grelottant, mais avec une chose en tête, recommencer le lendemain. Mais il faut savoir garder la tête froide. Parce que la montagne, elle sera toujours là pour te rappeler que t'as beau être un crack, le danger, il est toujours là.
La montagne, c'est quand même sympa. La plupart du temps, c'est une belle balade. Bah alors, c'est bien beau de monter là, les cafistes. Mais s'agirait de skier un peu dans la descente? Oh, ski plaisir là. Ouh, ça se met lourd. On en croise des drôles d'oiseaux par là-haut. Déjà, il y a lui qui buvait son rosé direct dans le bâton. Ou ce gars-là qui a voulu suivre nos traces et a passé le reste de sa journée à remonter à pied. Mais c'est, faut pas hein, suivre des traces comme ça quand on sait pas où ouais, ça va, bon qu'on a pas de matos, que c'est dangereux. Hein. Il y a Jeff qui a un peu trop tiré sur le chausson. Voilà, quand on saigne de trop. C'est trop de tweak. Julo qui pisse un coup. Attends, je suis pas prêt. Et oublie d'attacher son casque en partant. Ouah. C'est même Julo, il a un autre dada. Le drone de course. Il est dans sa sphère. Oh là là, la vitesse! Et puis tiens, c'est pas le dernier pour payer son lâcher de viande en fin de journée celui-là. Mais le backcountry, c'est surtout des heures de chef, des tonnes de neige à déplacer. Surtout qu'il faut pas croire, c'est du travail de précision. Hop, demande à Pierrot ce que ça fait de se mettre une journée de chantier à 2000 mètres d'altitude et de passer la suivante à s'éclater sur un toit. Tu penses là? Ça suffit jamais. Aïe aïe! Oh, c'est chaud! Ça empêche pas que tu t'en plein de cailloux. En pleine montagne, c'est là qu'on se retrouve. Au plus proche de nous-mêmes. Le ski, c'est une chance qu'on veut pas laisser passer. Ces sessions entre potes au grand air, même bourru comme t'es, ça te rapproche du sublime. Une fois que t'es calé là-haut, tu sais que t'es au bon endroit. C'est le plus beau des terrains de jeu, un espace de liberté totale. Il y a bien que là-haut qu'on peut faire des choses comme ça. C'est l'histoire d'une passion, d'une envie de partager des moments en allant au bout des choses. On cherche juste à rendre fier le gamin qu'on était. Voilà, boire des coups, se foutre la gueule sur du béton, raconter des conneries, tailler du bloc, raconter des conneries, ça ressemble à ça notre quotidien. T'as grimpé sur une crête, t'arrives, le spot il est comme ça. Ça fait un jour et demi à ravaler la façade de la montagne. Tout ça pour ça. Tout ça pour le souvenir. À ceux pour qui la passion suffit, on se doit de continuer.
La face B, la face B. La face B. La face B. Il a débuté sur la face B. Je pense avec tout que dans le fond du micro-sillon. Nous sommes des Attila, ce sont des sons que nous pillons. J'aime, je respecte les artistes que je sens obsédés par la destinée du vinyle à leur sorte de CD. Ouais.